Non, non, je ne suis pas un séducteur du tout. Je veux dire, au contraire, la vie en harem a ceci de commode, c'est qu'au lieu de partir en week-end avec une fille avec qui vous faites l'amour le temps qu'il faut, ensuite vous vous regardez dans le blanc des yeux, vous ne savez pas quoi vous dire, vous reparlez, etc., etc. Parce que quand les femmes sont entre elles, il y a une espèce de gazouillement adorable. Elles peuvent s'aimer physiquement. Vous restez tranquille. La vie avec plusieurs femmes vous permet de garder votre solitude de poète et d'écrivain et d'artiste. Je n'avais pas pensé à ce que vous venez de dire. Et c'est absolument merveilleux. Mais si à la vérité, vous êtes un voyeur. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout. Vous n'avez pas le poids sentimental, mélo, chiant de la relation seul à seul avec une fille, d'une part. D'autre part, mes capacités amoureuses, c'est pas à moi de les estimer. Mais j'imagine que si elles sont avec moi, c'est que parce que je ne les déçois pas trop. Bon, vous avez bien parlé des femmes.